Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une compilation de deux séances d'obstacles avec Wipestar, donc une séance plutôt Cavaletti et une séance en cours avec ma coach. Donc comme vous allez le voir, les deux séances ont été assez compliquées, surtout la première parce que Wipestar avait eu des jours de repos et en général quand elle a des jours de repos ou elle fait rien, elle est un peu compliquée à monter. La séance suivante, c'est du moment qui a besoin tous les jours de faire quelque chose, elle supporte pas de rester à rien faire. Voilà. Donc vous voyez que c'est un peu la catastrophe parce que elle veut pas y aller. Moi j'ai pas de force dans ma jambe gauche, donc impossible de l'empêcher d'esquiver en fait. Voilà. Donc je dois un peu lever mes mains. Par moment vous voyez que je lève fort mes mains, mais c'est parce qu'en fait j'ai pas le choix. Comme j'ai pas de jambes, je dois me servir de mes mains. Voilà. Donc vous pouvez me dire en commentaire. Ah, tes rênes sont si, tu fais ça, tu fais pas bien, je m'en fous. Le commentaire sera de toute façon supprimé et si votre commentaire est vraiment trop méchant, vous serez juste banni des commentaires tout court. Donc vous pouvez toujours regarder les vidéos, mais vous pourrez plus mettre de commentaires, comme ça moi ça m'évitera de trier pour rien. Voilà. Sur ce, j'espère quand même que la vidéo va vous plaire. Moi, surtout la fin me plaît, hein, parce que le début, on va dire que c'est un peu chaotique. Mais vous verrez qu'on a quand même su bien terminer cette séance. En fait, à un moment donné, elle a eu un déclic, elle s'est dit « Mais oui, en fait, c'est pas si compliqué que ça. » Elle a compris qu'elle était capable, parce que c'est une jument qui pense beaucoup qu'elle est pas capable, alors que, en fait, si. Et bien sûr, après, je lui ai fait ses soins. Donc après les séances d'obstacles, je lui masse la croupe, parce qu'elle a souvent les fessiers qui sont très courbaturés. J'utilise un gel massant Léovet pour ça et il fonctionne vraiment pas bien, vraiment très bien, pardon. Et avec le chauffe d'eau en plus, c'est top. Vous voyez qu'elle mâchouille, ça fait 30 secondes même pas qu'elle est en train de se faire masser. Voilà. Et je vous ai filmé aussi un peu que j'en mettais sur les membres parce que je mets de l'argile normalement quand on saute, mais là étant donné qu'on a fait pas beaucoup de passages et que le plus haut que c'était, franchement on est passé 3 fois à 70 cm de Cavaletti, c'est pas vraiment très intense. Voilà, donc j'ai juste mis un peu de gel sur ses tendons et c'était énervant parce que t'avais des gens pas super polis qui étaient en train de me fixer pendant que je faisais ça, donc pas ouf quoi, mais bon. Vous allez bientôt avoir les images du cours et j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse les commentaires de ma coach. Les chaussées un peu bousquées, c'est que j'ai un petit peu moqué dans tous les sens. On va lâcher le chemin un peu. Thank you.
Savannah.